Bonjour à tous, c'est Alex Benito. On se retrouve sur Football Manager 2016 pour un petit épisode qui sera uniquement la finale que je vous avais promis, finale de la Capital One contre Chelsea, la bête noire. Si on regarde un petit peu les compètes, on a été éliminé de l'Europa League, donc déjà pas content. Éliminé de la FA Cup, pas content du tout. Et après, la Capital One, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, c'est pas important pour eux. Mais si on la gagne, ça sera mon premier trophée à Liverpool. Et ça sera le premier trophée de Liverpool depuis un moment. Puisqu'on va faire un petit rappel sur les compètes. Repère historique, je vous l'avais dit, le dernier titre, 2005. Pour la première ligue, depuis 90, ça n'a pas été gagné. L'Europa League, 2001. Coupe d'Angleterre, la dernière, elle est en 2006. Capital One, la dernière, elle est en 2012. Là, on est le 25 février 2017. Et c'est l'occasion d'ajouter un trophée dans le palmarès de Liverpool. Également, mon premier trophée avec le club. Donc, ce que j'étais en train de vous montrer, c'est mon profil entraîneur. Depuis que je suis à Liverpool, 94 matchs joués. J'approche des 100 matchs avec l'équipe pour un total de 60% de victoires. Je pense qu'on peut le voir ici, 55 victoires, 17 nuls et 22 défaites pour 183 buts marqués et 111 encaissés. C'est plutôt de bonnes stats hein, avec Liverpool depuis que je suis arrivé à l'équipe. On va affronter Chelsea. Depuis la dernière fois, il ne s'est pas passé grand-chose et ce match nul 2-2 face à Derby, il y a eu deux victoires, 1-0 face à Fulham, but de Yarmolenko. Et 2-1 contre West Ham. Le problème, c'est pas vraiment les victoires. C'est qu'il y a eu des blessures. Notamment celle de Benteke. Blessé 3 mois. 2 à 3 mois, la cheville cassée pour Benteke. C'est dommage. Il était aussi parti sur une meilleure saison que l'année dernière. Et également la blessure de José Jiménez qui est suspendu. Et Mamadou Sakho qui est blessé pour 10 jours. C'est pas beaucoup. Mais il va manquer la finale. Sakho Jiménez qui manque. Comment on va faire en défense, vous allez me dire. Eh bien, on va improviser. On va improviser pour cette finale. Je pense qu'il y a un certain Emre Can qui va se positionner. Donc, si on regarde le classement, j'ai du retard sur Arsenal, puisqu'ils ont un match en retard et égalité. Donc, s'ils gagnent leur match, évidemment, ils auront 3 points d'avance. Donc cette vidéo sera une courte vidéo du vendredi, et donc si tout va bien, demain il y aura la fin de saison, c'est-à-dire le sprint final, Arsenal, Everton, Chelsea, Crystal Palace. Voilà le programme, donc c'est-à-dire qu'il y aura donc eu 3 vidéos avec Liverpool cette semaine. Mais là je vais faire que la finale, ça sera plutôt court, hop ça j'en ai pas besoin. Prolonger le prêt de Jones, ouais, pas de souci, tu peux rester en prêt là-bas. Allez, finale Capital One, sans Benteke, avec Daniel Sturridge, avec Yarmolenko, avec Markovic, Coutinho, Saul Anderson, et en défense, il y aura donc Emre Can avec Denayer. Denayer qui est plutôt défenseur-relanceur, hein, cela dit. Au passage et Chan qui est stopper, on aurait deux relanceurs là, pas terrible ça. Pourquoi pas mettre deux relanceurs, un en couverture et un en stopper. Sur le banc on a Zivkovic, Milner, Brad Smith, ce qu'on ne peut pas le virer lui non, puisqu'on a quand même besoin au cas où, quoi qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. On va plutôt mettre Jack Grealish. Et on va partir en normal. On centre pas forcément. On va pas dédoubler parce qu'il faut pas trop les faire monter tout de suite. Centre varié. On joue dans la largeur. Est-ce qu'on est bien physiquement? Ouais, un peu fatigué quand même. On va partir comme ça. On va partir comme ça face à l'équipe de José Mourinho. Qui adopte une stratégie similaire à la nôtre en 4-2-3-1.
peut se transformer en 4-3-3, je l'avoue. Est-ce qu'ils vont la jouer à fond avec la grosse équipe ou pas? Il y a Alvaro Morata, Eden Hazard, Oscar, Shaqiri, Fabregas, Van Ginkel, Azpilicueta, Kyle, Zouma, Versalco et Courtois. Donc là, voilà, au moment où je joue, c'est ça qui m'y fait penser, au moment où je joue, je viens tout juste de faire la mise à jour qui est, si je dis pas de bêtises, la point 2. Je ne me rappelle plus du nombre avant. Peut-être moyen de le savoir. D'avoir ma version. Quelle est ma version du jeu? Je viens tout juste de la faire, juste avant de lancer la partie. C'est pas dans le tableau des scores, c'est pas là. Partie en ligue, non. Mais j'en ai aucune idée. État de la partie, peut-être? Non plus. Non. Bref. C'est pas grave, en tout cas il y a eu la dernière mise à jour qui va peut-être influencer quelque chose. Déjà j'espère que ça va corriger les bugs, parce que vous avez été nombreux à le signaler, moi y compris pour la partie en ligne avec les abonnés, on a remarqué ça, ça buguait pas mal. Et peut-être en match, il y a quelques trucs qui ont été corrigés, j'ai pas lu exactement tous les changements qui avaient été faits, mais ils sont plutôt réactifs et ils nous ont fait cette mise à jour. Est-ce qu'on fait des tacles durs sur Fabregas, Eden Hazard et Morata? Je suis d'accord. Van Ginkel, est-ce qu'il a beaucoup joué cette saison? Ouais, quand même. 15 apparitions. Titulaire. Shaqiri, ça me surprend un peu aussi cette titularisation. Après, le reste, c'est du classique. C'est du classique, ouais. Je pensais qu'il y en a un qui pourrait être en dessous, mais... ouais, bon, bah, je vais laisser comme ça. J'ai rien d'autre à dire, donc c'est parti pour cette finale. Finale de la Capital One. Je répète, dirigeants s'en foutent, mais pas moi, puisque c'est l'occasion de ramener un trophée. Continuons avec Yarmolenko, on est toujours en caméra prozone. Daniel Sturridge à la surface, l'arrêt de course sur le poteau. Et c'est Zouma qui vient de tacler pour sauver son but. Mon Dieu. Azpilicueta à la touche. Long ballon, récupéré par Jordan Anderson, Yarmolenko, qui peut la transmettre à Coutinho. Oh, il est taclé par Kyle, mais récupération Klein. Avec Saoul. Saoul qui change d'aile, non? C'était pour Lazar Markovic. Saoul, long ballon, ça joue à l'espagnol avec Alberto Moreno. En retrait, non, récupération Markovic. Il évite un tacle. Et oh, but de Philippe Coutinho. L'ouverture du score sur un centre d'Alberto Moreno. Superbe reprise de volée pied gauche pour Philippe Coutinho. Bien joué ça, Alberto Moreno, qui a su trouver le Brésil. Shaqiri. Shaqiri avec Fabregas. Fabregas qui peut décaler la montée du Croate. Oh, Morata, l'arrêt. Oh là 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 là. Hugo. Hugo Lloris, est-ce qu'on peut discuter là? Ah non, il y a ça sur le poteau, mais pourquoi il plonge? J'ai pas compris là. Il se couche. Il touche même pas le ballon, quoi, il se couche. Et Shaqiri n'a plus qu'à pousser, évidemment. On domine quand même en termes de possession. Coutinho, Denayer. Denayer avec Klein, Saoul, oh, il a passé Eden Hazard, Yarmolenko pigoche, il joue avec Daniel Sturridge, il n'y a pas pénalty là. Attends, oh putain, Denayer qui s'est trouvé dans sa sortie, Alvaro Morata, il est tout seul, voilà, Denayer qui récupère pas, non, la boulette, merci Lloris. Défense inédite avec Emre Can, qui selon certaines parties, en tout cas quand je prends une autre équipe, attention d'un Sturridge, il n'y a pas en jeu, c'est le but. Markovic, quel passe de génie. Il a vu toute la différence. On a appris ça en Serbie pendant la guerre. bon, c'est bien maintenant, on passe devant, faudrait pas se faire égaliser. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Quand je prends pas Liverpool, eh ben, l'ordi
met automatiquement Emre Can en défense centrale et il obtient des notes moyennes hallucinantes. Il pourrait être un excellent défenseur, Emre Can. Mais moi, je le vois au milieu de terrain. Là, c'est juste parce que c'est la première fois depuis que je suis à Liverpool que j'ai plus de défenseur, un suspendu et un blessé. Donc bon, heureusement que Emre Can a cette polyvalence. On rentre à la mi-temps, plutôt serein, domination, possession et on mène au score. Moi, je suis plutôt content. Ça se passe bien, on va dire. Cette finale se passe bien. On va repartir. Petit discours à la mi-temps. On va engueuler Lloris. Un petit extrait. Allez. Oh Hugo, qu'est-ce que tu nous fais, Hugo? Concentre-toi, muscle ton jeu, Hubert. Hubert, pourquoi j'ai dit Hubert? Robert. Hugo Robert, ça fait Hubert. Muscle ton cerveau, surtout. Si tu muscles pas ton cerveau, attention. Tu vas avoir des déconvenus. Je mettrai la vidéo dans la description pour ceux qui n'ont pas saisi la référence. Aimé Jacquet qui discutait avec Robert Pires. 98, premier changement, c'est l'entrée de Thiago Maia à la place de Jordan Anderson qui est le seul de notre équipe à avoir récolté un carton jaune. On évite le rouge, vous savez que j'aime pas prendre des rouges. Courtois hein, qui la joue court. Van Ginkel, Fabregas et Den Hazard qu'on n'a pas beaucoup vu. Den Hazard Azpilicueta, la montée de César Azpilicueta. Fabregas encore. On va jouer en contre. J'ai l'impression que les joueurs de Chelsea, ils montent très rapidement. En tout cas, leurs ailiers, leurs latéraux montent. Allez, Philippe Coutinho, t'es tout seul. Tout seul dans la surface. Ouais, l'angle était fermé. Il fallait s'y attendre. Il a obtenu le corner. C'est ça qu'il fallait faire. Allez, corner. Corner de Coutinho. Il est bien tiré. Il m'a fait quoi le jeu, là? Il m'a coupé l'action, comme ça, normal. Et ça, c'est bien. Ça aussi, dans la mise à jour, on l'avait pas avant. Il y avait juste écrit « Remplacement pour Chelsea ». Mais on savait pas qui sortait, on savait pas qui rentrait. Merci ça. Merci la mise à jour. Du coup, si on va voir... J'ai envie de voir les formations, moi. J'ai envie de voir les formations. Ils ont fait rentrer où, Chaloba? C'est pas un défenseur central, si? Ouais. Moi, je le connais mieux de terrain, mais c'est pas un défenseur central de métier. Bon, je vais rien dire parce qu'on a Emre Can en défense. Allez, Daniel Story! Prenez ça les fumiers! À Daniel Sturridge, il revient en forme. C'est vrai que Benteke a eu son pic. Pendant que Sturridge n'était pas trop là, il marquait pas beaucoup. Il a mis un doublé juste avant. Un doublé contre Aston Villa, je crois. Et là, il met un doublé face à Chelsea. Il reste 10 minutes et j'ai fait qu'un seul changement. Entrée de Jack Grealish. Et entrée... James Milner. Je voulais faire rentrer Zivkovic, mais il a joué au match d'avant, donc il est un peu fatigué. On va le préserver pour la suite. 2 minutes de temps additionnel, Arsène. On s'approche des confettis. Je les vois les confettis. Préparez le champagne. Bourrez-vous la gueule. Shaqiri. Il rigole un petit peu moins là, Shaqiri. Le chat qui pleure. Emre Can, long ballon pour Daniel Sturridge. Et oui! Premier titre d'Alex Benito à Liverpool. C'est la Capital One. Mais je m'en bats les couilles. C'est un trophée dans ma vitrine. En espérant ajouter la première ligue en fin de saison. Capital One remporté avec 90 000 personnes qui étaient là pour me voir célébrer. Et ouais, on a le titre. Ok, je gagne le cœur des supporters. Hein, comme quoi... C'est pas mal. Satisfait ses dirigeants. Jamie Carragher, qui est actuellement entraîneur, est content de moi. Sturridge a fait un grand match. Martinez était là à Wembley. Ils sont au 7e ciel. Qualification en Coupe Europa League grâce à cette victoire. Mais moi, je veux la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, en plus le prochain match est dans 13 jours, donc on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve face à Arsenal, Everton, Chelsea et Crystal Palace. C'était une courte vidéo, c'était la finale. J'espère qu'elle vous aura plu, court mais intense. Salut à tous.